Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le jeudi 15 octobre 2020, 16h13, heure du Québec. J'espère que ça va bien pour vous, même si ça va mal. Puis il y en a pour qui, plus spécifiquement, c'était un mauvais réveil ce matin. Ils ont eu une mauvaise nouvelle en se réveillant, un en particulier. Mais c'est ça qui arrive. Quand tu racontes n'importe quoi sans aucune source pour appuyer tes dires, sauf des délires de gens vraiment pas fiables, mais ça donne que des fois le fruit du travail d'une vie vient de disparaître. Parce que tu t'es entêté à plus t'occuper de ton ego puis ton compteur d'abonnés qui montait, même si tu racontais n'importe quoi, que la réalité, que la vérité, que la santé des gens, que le bien-être des gens, que l'unité, que la tolérance, que l'argumentation, que de débattre. Tu ne peux pas t'en aller toujours et jouer le jeu des Russes et de Vladimir Poutine, parce que c'est ça, dans le fond, qui est arrivé depuis des décennies à peu près, mais plus, depuis 10-15 ans. Le livre, le playbook de Vladimir Poutine et des Russes a été d'inonder les réseaux sociaux de toutes sortes de folies conspirationnistes, de toutes sortes de natures, quelles qu'elles soient, pour venir perturber les Nord-Américains, les Européens, pour les amener dans l'idée que notre système à nous autres est pourri. Dans le fond, c'est ça. Le scandale, c'est ça. La vraie affaire, c'est ça. Le vrai plan de Vladimir Poutine et de tous ces pays plus ou moins louches qui sont gouvernés par des gens plus ou moins louches, mais plutôt louches que moins louches. Ça a été de semer la graine de la discorde, semer la graine du doute dans nos populations respectives, dans nos pays libres, où tu peux toujours t'exprimer, tu peux toujours être en désaccord avec un gouvernement, un parti au pouvoir, sans avoir peur d'être empoisonné, envoyé en Sibérie ou au cimetière. Donc, toute cette idée-là derrière, toutes ces... D'ailleurs, je soupçonne QAnon d'être d'origine russe. Puis toutes ces folies concernant des cabales, toutes ces histoires-là concernant les abus d'enfants, puis tout ça, c'est tellement du n'importe quoi. Et ça, tout ça, ça a été orchestré par la Russie, par Vladimir Poutine en tête de ça, qui a voulu instaurer le doute dans nos esprits, des pays qui ont connu la gloire, la prospérité, la liberté, contrairement à une Russie ex-URSS qui est dans la misère, des Russes qui sont contrôlés, dominés, encore aujourd'hui, par le même establishment de l'époque, Vladimir Poutine, 40 ans au KGB. Et quel est le meilleur moyen? C'est d'utiliser les réseaux sociaux qui sont ouverts à tous. Tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas qui est derrière un site derrière des pseudos informations bidons. Et tout ça, ça a été surtout possible par Facebook, qui a été très tolérante. Depuis un bon bout de temps, ils ont resserré la vis, mais pendant longtemps, tu trouvais n'importe quelle information complète. Même moi, je me suis fait embarquer, puis je suis tombé dans des pièges tellement bêtes, tellement stupides. Donc, on n'a pas un système parfait, on n'a pas des politiciens parfaits, puis loin de là. Puis de toute façon, la politique, ça ne changera jamais rien dans ta vie. Mais le jeu de ces gens-là, c'est de renverser notre système pour nous amener une tyrannie comme tu retrouves en Russie, ou comme tu retrouves en Corée du Nord, ou dans d'autres pays. C'est vraiment, vraiment dangereux ce qui s'est passé. Et Donald Trump a contribué à l'accélération de ça, et c'était un danger vraiment incroyable de voir Donald Trump utiliser le même scénario, le même livre que Vladimir Poutine, utiliser le département de la justice pour criminaliser des adversaires politiques. Des adversaires politiques, tu les bats dans nos pays à nous autres, puis dans nos traditions, dans des débats, dans des échanges, pas en les envoyant en prison, sous des pseudo-prétextes, des inventions de toutes pièces, comme Vladimir Poutine a fait avec plein de ses opposants politiques sur lesquels il a inventé toutes sortes de scandales pour les envoyer en prison. Là-bas, ça a marché parce que c'est un système complètement, complètement corrompu. Aux États-Unis, ça n'a pas marché parce que le système de justice est droit.
et n'a pas embarqué là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qui a frustré Donald Trump, qui a dit hier, si je suis réélu, William Barr, je le congédie parce qu'il n'a pas fait ce que je lui ai demandé, comme un tyran demande à son ministère de la Justice d'arrêter ses opposants. C'est vraiment, vraiment inquiétant que tu aies une partie de nos populations qui soit embarquée là-dedans. Moi, au début, j'ai été piégé, mais pas à ce niveau-là. Moi, j'ai été piégé par l'illusion que Donald Trump changerait vraiment puis appliquerait le programme conservateur. Moi, je suis vraiment un conservateur. Mais ça a été du n'importe quoi, juste pour les riches, juste pour Wall Street, juste pour l'industrie pétrolière, juste pour ses amis, juste pour sa famille. Puis les Américains ont été oubliés là-dedans. Donc, c'est vraiment inquiétant ce qui s'est passé. On est passé vraiment, vraiment très proche. Et une chance que YouTube, Facebook et ces entreprises-là, qui sont propriétaires de ces sites-là, c'est leur site, font ce qu'ils veulent avec. Il faut respecter leur décision. Ont décidé de resserrer la vis sur un danger. Parce que autres, ils savent que ça vient de là, que ça vient de la Russie, que toutes ces nouvelles-là émanent de sites qui viennent de la Russie, des gens qui sont complètement... D'ailleurs, les Russes, fait, je ne sais pas combien de siècles qui vivent dans des régimes vraiment, vraiment atroces puis qui endurent l'atrocité. Donc, vraiment, vraiment surprenant ce qui s'est passé. On est passé à un cheveu près de tomber dans un basculement de régime pour nous amener d'une tyrannie incroyable. Une chance qu'on s'en est sorti, une chance qu'il y a du monde qui commence à se faire éliminer sur ces réseaux-là, parce que tout ce qu'ils font, c'est de jouer le jeu des Russes et de Vladimir Poutine en propageant des nouvelles tellement stupides, à la base même de la nouvelle, tu devrais avoir des doutes. Mais on est tellement dans nos pays, puis ils savent, eux autres, qu'on a beaucoup d'insatisfaction. Les mouvements nationalistes sont insatisfaits, mais l'ensemble de la population est satisfaite de la direction que leur pays prennent, d'ouverture, de tolérance, d'acceptation des autres. Tu as juste des petits groupes, puis c'est ces groupes-là qu'on a vus propager toute cette folie-là, cette propagande-là venant de la Russie. Et il était à peu près temps que ces gens-là soient exposés. Parce que, qu'on veuille ou non, puis qu'on dise ce qu'on voudra, on est bien chez nous, mon chum, comparativement à ces pays-là comme la Russie. Tu iras vivre en Russie. Moi, j'en ai des amis russes. Ils ne sont plus là parce que c'est invivable. D'abord, c'est la misère. Il n'y a pas d'économie. Plus, tu ne peux pas même dialoguer puis avoir une idée différente de l'empereur, le tsar, Poutine. C'est exactement ce que Donald Trump voulait, que tout le monde s'aplaventrisse devant lui, lui baisse les pieds. Pendant que l'empire Trump s'enrichissait aux yeux et au-dessus de tout le monde. Vraiment inquiétant tout ça. Une chance qu'on semble, je l'espère, éviter ce désastre.